Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Quelques jours avant les élections, c'est le moment de revenir à nos municipales et aux enjeux dont notre mairie se voudra être l'acteur principal dans un futur très proche. Résilience alimentaire, mobilité douce, protection de la biodiversité, alternatives énergétiques, voici les enjeux futurs à court terme. Tous les candidats qui ne prendront pas en compte ces sujets vous vendront du rêve. Car sans l'application de projets ambitieux sur ces thématiques, rien ne sera désormais possible. Vous allez me dire qu'il s'agit d'un programme écologiste, et à cela je vous répondrai qu'il s'agit aujourd'hui du seul programme viable sur le long terme. Les défis auxquels sont contraints les humains dépendent de la prise en charge de nos besoins vitaux. Cela nous paraît si simple d'aller au supermarché ou bien encore d'ouvrir son robinet d'eau, pourtant cela risque de changer, et dans un temps assez bref. Pour mieux comprendre l'intérêt des investissements futurs de vos municipalités, il est important de bien restituer le contexte global de l'épuisement des ressources à travers le monde, mais également les changements brutaux provoqués par le réchauffement climatique, qui, vous l'aurez constaté, s'accélère. Récemment, un excellent rapport sur la résilience alimentaire vient d'être publié par les Greniers de l'Abondance, une association axée sur les transitions, que vous retrouverez facilement sur Internet. À ce jour, la rupture de la chaîne alimentaire et de l'accès à l'eau est un vrai questionnement et mérite un refondement immédiat du système. Voici un bref résumé du rapport qui nous rappelle les menaces globales. Le premier point est le réchauffement climatique. Il influe sur les écosystèmes sauvages et cultivés et entraîne des perturbations au niveau de la croissance des végétaux. Il amplifie l'effet dévastateur de différents types de ravageurs et exacerbe les tensions autour des ressources en eau. À ce jour, le secteur agricole consomme la moitié de l'eau douce utilisée en France, ce qui signifie que leurs prélèvements annuels vont finir par entrer en compétition directe avec les usages domestiques prioritaires. L'accentuation de la chaleur dans l'hémisphère nord présuppose également la migration et le développement de certains pathogènes ou ravageurs. De plus, le chaos qu'impose l'irrégularité du climat, comme des sécheresses, inondations, tempêtes, provoque des situations de crise qui endommagent des infrastructures critiques. Les campagnes ne cessent de s'éroder dues à une homogénéisation, une utilisation massive des pesticides, un apport excessif d'engrais qui perturbe le cycle de l'azote et du phosphore, et un travail du sol trop profond et trop fréquent. Vous noterez qu'ici n'est jugé personne, aucun homme, mais bien une pratique qui a vu son avènement suivre l'évolution de l'industrialisation, ses rendements records, et sa chimie à tous les niveaux. Pourtant, nous savons que les conditions historiques qui ont permis une telle évolution de l'agriculture ne sont plus garanties pour les années à venir. En 20 ans, ces pratiques ont anéanti des populations d'insectes et donc de l'ensemble d'espèces qui en dépendent. La chaîne du vivant a été rompue. Au niveau mondial, l'expansion des terres agricoles est responsable de 80% de la déforestation, avec elle sont détruits les écosystèmes, avec les plus hauts niveaux de biodiversité. Dans le même temps, la biodiversité cultivée s'est considérablement appauvrie. L'humanité a cultivé plus de 6000 espèces végétales dans son histoire. Aujourd'hui, seulement 9 assurent les 2/3 de la production mondiale. Représentant divers risques sanitaires par le peu de diversité, cette réduction des espèces cultivées nous met donc en insécurité alimentaire, d'autant plus que celles-ci sont détenues par quelques grosses entreprises semencières comme Bayer par exemple. Il s'agit de la privatisation du vivant, mais c'est un autre sujet. Ce manque de diversité devient donc une vulnérabilité dans un monde incertain. Mais c'est aussi la disparition des pollinisateurs et de la biodiversité des sols qui rend la terre inerte, n'étant plus qu'un substrat prêt à recevoir des engrais chimiques. La destruction de la biodiversité, c'est également la perte d'un apport incomparable que sont les espèces régulatrices de ravageurs,
comme le renard, le hérisson, le crapaud ou tant d'autres espèces. Après le climat, il s'agit des ressources énergétiques et minières et de leur épuisement. Le système alimentaire actuel dépend de ces ressources non renouvelables. Les énergies fossiles sont nécessaires à toute la motorisation et l'industrialisation, mais également à la fabrication des intrants chimiques qui sont utilisés sur les cultures. En moins d'un siècle, l'agriculture est passée d'une forte autonomie énergétique, puisque c'était l'humain, les animaux de la ferme et les outils manuels qui cultivaient, à une dépendance mortifère. Notre système alimentaire repose sur des chaînes de transformation complexes, énergivores et qui nécessitent du transport. La disponibilité du phosphore, utilisé comme engrais, est également inquiétante et remise en question faute d'énergie. Le stock mondial fond, et même si les réserves sont suffisantes, son extraction sera de plus en plus coûteuse. Ces incertitudes peuvent engendrer une volatilité des prix sur le marché de la chimie de synthèse, qui peut faire s'écrouler les exploitations les plus fragiles. En troisième point, le rapport nous parle de l'instabilité politique et économique globale, qui depuis 2008 a vu les mêmes indicateurs provoquant la crise s'aggraver et passer par tous les rouges menaçant d'une prochaine crise. Pour terminer, il faut savoir que sans subvention, la moitié des agriculteurs mettrait la clé sous la porte. Ne croyez-vous pas qu'il serait grand temps d'aider nos agriculteurs, nos nourriciers, à basculer vers une transition heureuse et viable ? Car vous l'aurez compris, l'agro-business durera autant que les ressources énergétiques seront encore disponibles à bas prix. Alors si c'est oui, voilà le programme que pourrait vous proposer un maire souhaitant amener sa commune vers la résilience alimentaire nécessaire. Une fois de plus, ces informations sont tirées de l'étude des greniers de l'abondance, dont je vous conseille vivement la lecture. Lorsque nous regardons la complexité du système alimentaire, nous comprenons mieux que la résilience se situe dans le local, d'où l'importance de l'aborder de manière territoriale. La résilience alimentaire peut se définir comme la capacité d'un système alimentaire et de ses éléments constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et non prévues. Si nous regardons de plus près, nous voyons bien que le système actuel est intrinsèquement peu résilient. Aussi, l'objectif n'est plus de renforcer les structures existantes vouées à disparaître, mais au contraire, transformer entièrement le système. La résilience est un paramètre dynamique, ce qui signifie que le milieu évolue suivant les contraintes et les réponses apportées, et ce n'est pas un critère suffisant pour rendre un système alimentaire souhaitable. Nous devons y ajouter un impératif de soutenabilité et objectif d'éthique, ainsi que de la justice et de l'équité. Quels sont donc les critères de la résilience nécessaires au niveau agricole ? Tout d'abord, de la diversité à tous les niveaux, dans la production, les variétés, la vie sauvage, les acteurs et les interactions. Il faut également une autonomie du territoire, disposer localement de ses facteurs de production et de commercialisation. Il s'agit également de transformer sur le territoire pour que les habitants puissent subvenir localement à leurs besoins de base. Le nouveau système alimentaire doit être modulable et adapté avec des jardins, des fermes et être relativement autonome. Apporter redondance et cohésion des acteurs pour plus de solidarité, de prise de décision partagée et donc de l'évolution du système. Je terminerai sur les voies à suivre citées par l'étude pour aller vers cette résilience. Augmenter la population agricole, préserver les terres agricoles avec zéro artificialisation nette, favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes, diversifier les variétés cultivées et développer de manière autonome et locale les semences. Vous l'aurez compris, ce rapport sur la résilience alimentaire est un véritable petit bijou que je vous conseille de lire. Vous le trouverez gratuitement en ligne ou pour remercier le travail de l'équipe de recherche qui le diffusera auprès des élus locaux, son principal but, vous pouvez l'acheter en version papier et trouverez les solutions locales pour un changement global. Rappelez-vous que seule la résilience apparaît aujourd'hui comme la voie à suivre pour s'adapter aux futures contraintes que nous allons tous vivre, peu importe notre territoire. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Green, oui. Green, comment ?
Oh, super green. Green aussi green que ça peut être. Green, 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 green,